Et bonjour, ici Sébastien. J'espère que vous allez bien. Nouvelle présentation aujourd'hui, un petit peu spéciale puisque je vous parle du film Mean Girls, ou en français c'est Méchante Ado. C'est l'édition 15e anniversaire du film. Et en fait, le long métrage, l'édition ici que j'ai en ma possession, est sorti en magasin le 11 juin 2019. Mais le studio m'avait demandé d'attendre avant d'en faire la promotion, attendre justement le 3 octobre de cette année, soit on est le 3 octobre 2019, puisque c'est la journée nationale de Mean Girls, un événement qui a commencé sur les réseaux sociaux en lien avec un segment du long métrage qui est à propos du 3 octobre. Et depuis d'année en année, cet événement-là a gagné en popularité. Même Paramount en fait la promotion à chaque année. Et cette année, justement, on m'avait demandé d'attendre la sortie le 3 octobre pour en parler. Donc, c'est chose faite ici. On célèbre ici le 15e anniversaire du long métrage qui met en vedette Lindsay Lohan et également Tina Fey. Un film, comme ça le dit, un film d'ado qui se passe dans une école en lien avec un groupe de filles très populaire qu'on appelle les Plastics. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film. Hein. Il va falloir que je me remette dedans pour plus en parler, mais je tenais quand même à le mentionner. Donc, une comédie très populaire hein, de Lindsay Lohan qui a permis de continuer à gagner en popularité à cette époque-là comme actrice. On la voit moins ces temps-ci, mais le film reste toujours très populaire auprès des filles. Et justement, hein, la pochette est rose, donc ça va bien avec le thème du long métrage. Je vais vous le déballer, je vais vous montrer l'intérieur de cette édition 15e anniversaire. Attendez, on va l'avoir. Bon, voilà. Je vais vous remontrer comme il faut la pochette. Voilà, parce qu'on a d'autres actrices hein, également. On a Rachel McAdams qui fait partie de la distribution. On a également, comme je l'ai mentionné, là, Lindsay Lohan, Tina Fey, qui sont de la distribution. Voilà. Donc, à l'arrière, on retrouve aussi quelques images provenant du film. Voilà. Et on retrouve évidemment des pistes sonores en anglais, en français. C'est un long métrage de 96 minutes. Au niveau des suppléments, on a un commentaire du réalisateur Mark Waters, de la scénariste et actrice Tina Fey et du producteur Lorne Michaels. On a un court-métrage « La loi du plus fort ». Il y en a plusieurs en fait. On a La loi du plus fort, Le fonctionnement du monde des filles et Dernière mode. On a un montage de gaffes, des scènes supprimées avec commentaires facultatifs du réalisateur et de la scénariste également qui commente les scènes supprimées. Donc c'est le genre de supplément qu'on retrouve. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est quand même assez simple. Hein? On a simplement le disque en Blu-ray. Voilà. Donc, pas de copie digitale ou quoi que ce soit, à part les suppléments que je vous ai mentionnés et que je viens de vous mentionner. Donc, le long métrage est déjà disponible en magasin depuis le mois de juin dernier, mais on m'avait demandé d'attendre le 3 octobre pour en parler, jour de l'événement, le jour qui a été déclaré Mean Girls en lien avec le long métrage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Est-ce que justement vous aimez ce long métrage avec Lindsay Lohan? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!